après la Seconde Guerre mondiale, là, les choses ont commencé vraiment à bouger. La première chose à bien souligner, c'est que juste après la Deuxième Guerre mondiale, la croissance de la recherche scientifique mondiale a explosé. Le taux de croissance des publications passe de l'ordre de 2 à 3% par an à 8%. Accélération brutale de la recherche. Ce qui veut dire accélération brutale des besoins de publication. Ce qui veut dire que les sociétés savantes ont du mal. Elles sont pas prêtes pour faire ça. La première réaction, ça a été de dire, pour produire plus, il va falloir demander à nos auteurs de payer un peu plus pour se faire publier. Ça va être l'invention des frais page charges, on dirait en anglais, c'est-à-dire les frais par page pour les articles qui étaient trop longs ou avec trop d'illustrations et ce genre de choses. Et voyant tout ça, un homme d'affaires d'origine tchèque, mais qui était en Angleterre, qui s'appelle maintenant, qui avait changé son nom d'ailleurs, et qui s'appelle maintenant Robert Maxwell, commence à se dire, il y a peut-être moyen de mettre le pied dans la porte ici, et enfin de trouver le moyen de gagner de l'argent avec des revues scientifiques. Parce que jusque-là, la revue scientifique, pour les compagnies commerciales, c'était quelque chose de vraiment très problématique. Faire de l'argent sur des articles très ésotériques, où chaque article peut être lu par une douzaine de personnes ou une quinzaine de personnes, c'est pas comme ça qu'on va faire un marché de masse. Donc, il commence à regarder la situation et il se dit, ces associations n'ont plus les moyens d'assurer ce genre de travail. Ces associations, par essence, sont nationales. On va les déborder en faisant quelque chose d'international. Et puis, ces revues internationales, nous, on va pas demander des charges pour les pages supplémentaires. On va simplement augmenter le prix des abonnements et on va changer l'orientation. Plutôt que d'essayer de vendre des revues à des individus, on va vendre ça à des bibliothèques, et les bibliothèques se chargeront, elles, de montrer ça à des individus. Donc, les bibliothèques, elles ont de l'argent, on peut leur demander. On peut passer un ordre de grandeur supplémentaire dans le coût de la revue, et puis ça permet de produire moins de revues, d'exemplaires, il y a moins de bibliothèques que d'individus. Ça permet de diminuer les frais d'envoi de ces revues un peu partout dans le monde. Bref, il y a tout avantage à faire ça. Et donc, ces revues commencent à se développer. Et leur point d'achoppement au début, c'est d'avoir des comités éditoriaux qu'elles ont du mal à recruter, parce que les gens sont habitués aux hiérarchies habituelles. Et lancer une nouvelle revue, c'est toujours risqué sur le plan de la réputation, le plan de la visibilité. Mais bon, avec un peu d'argent et un peu de, disons, en graissant un petit peu toute la mécanique du système, on arrive à recruter des savants de bonne qualité qui sont prêts à jouer le jeu et qui sont d'ailleurs au début, sont réellement dans l'esprit de revues internationales. Il y a la première revue internationale, les Acta Biochimica et Biophysica de ce qui va devenir Pergamon Press de Maxwell. Cette première revue avait des savants d'énormément de pays d'Europe et d'Amérique du Nord qui avaient été invités par Maxwell. Il y avait même un Français ou deux là-dedans, si je me souviens bien. Donc, vous avez là quelque chose qui est en train de se faire, qui est intéressant parce que ces revues trouvent un moyen de gagner de l'argent dans un contexte qui n'est pas un contexte d'argent.